votre femme descend tout de suite. Ah, pourquoi? Que fait-elle? Elle est en train de se préparer. Je ne me souviens pas de lui avoir demandé. Madame vous accompagne à la soirée. Sa présence n'est pas nécessaire. Je n'ai pas l'intention de t'emmener avec moi. Pardon? Ça n'était pas la peine de t'habiller. Tu m'excuseras de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Il n'y aura pas de femmes? Mais si, il y en aura même beaucoup. Tu ne m'accompagnes jamais à ce genre de réception officielle. Alors pourquoi ce soir? Parfois, tu as fait l'effort de me tolérer dans une réception familiale ou encore officielle de ta société. Oui, c'est très juste. Ce soir, c'est le jubilé de la compagnie. Réunion officielle, s'il en est. Je n'ai pas envie de te supporter toute la soirée. Et Eric? Je préfère le tenir à l'écart. Puis-je en connaître les raisons? Non. Je pense qu'elle sera là. Et alors, je fais ce que je veux. Tu fais toujours ce que tu veux. Je suis désolé que tu le prennes ainsi. Dommage que tu te sois habillé pour rien. J'aurai sûrement une autre occasion. Je n'en doute pas une seconde. Bonsoir. Elle l'accompagne partout. Et moi, je reste là. Que penses-tu de cela, Louisa? Tu sais bien qu'il ne fait que ce qu'il veut. Oui, je sais. Seulement, il y arrive un moment où trop, c'est trop. Il y a des choses qui deviennent inacceptables. Une fois de plus, je me suis changée pour rien. Comment me trouves-tu? Je te trouve très jolie. Oui, pour moi, tu es une très jolie femme. Merci, Louisa. Une jolie femme qui a perdu son charme. Et qui vient de recevoir une énorme claque. Et puis, zut, je ne vais pas me changer. Je vais rester ainsi. Et m'amuser toute seule. Apporte-moi une bouteille de champagne. Oui, je te l'apporte tout de suite. C'est une excellente idée, il n'y a aucune raison de se laisser abattre. Je n'en ai pas l'intention. De toute façon, il faut que ça explose. Et le plus tôt sera le mieux. Laisse, je décroche. Allô? Ah, c'est toi, mon chéri. Non, ton père est parti. Oui, à la réception. Non, je ne l'ai pas accompagné. Il m'a laissé seule à la maison. Non, voyons. Il a ses raisons. Tu sais que je ne t'apprends rien. Peut-être n'a-t-il plus besoin de moi. C'est Eric. Non, écoute, je n'ai pas d'explication à te donner. Oui, c'est comme ça et c'est tout. Oui, c'est elle qui doit l'accompagner. Mademoiselle Mom. Moi? Je m'apprêtais à boire du champagne. Tu es resplendissante. Je suis en retard. La femme n'est pas là? Non, je suis venu seul. Tu restes avec moi ce soir. Bien. Eric n'admet pas que son père agisse ainsi. Pourtant, il le connaît. Il n'arrive pas à s'y faire. Il voulait venir ici. J'ai réussi à le persuader de rester chez lui. Tu aurais dû le laisser faire. Pourquoi? Ça n'aurait rien changé. Peut-il m'aider?
Louisa, il se fait tard. Si tu allais te coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Nous ne sommes jamais assez prudents. Ah, enfin. Merci. À votre santé à tous. À votre santé. À vous tous. Il est encore venu tout seul. Sa femme n'est pas là. Il a, comment pourrais-je dire, fait un échange. Ceci dit, elle est très jolie. La soirée était une réussite. Ils t'ont tous accepté. Au début, certains ont eu l'air étonnés. D'autres n'ont pas pu s'empêcher de faire des commentaires. Mais dans l'ensemble, ils ont bien réagi. J'en suis heureux. Je le voulais ainsi. Tu as parfaitement tenu ton rôle. Je reconnais que ce soir, tu m'as impressionné. Tu veux boire quelque chose? Donne-moi un whisky. Tu ne t'es pas senti trop embarrassée? Ça a été, à vrai dire. Au début, je reconnais que j'avais un peu peur. Je sais que c'est idiot, mais... Je me suis demandé... ce que je faisais là, au juste. Tu as joué ton rôle. Tu sais bien que tu jouais un rôle. Tu aurais pu me prévenir. Les gens ne se fient qu'aux apparences, aux idées reçues. Leur vie n'est qu'une suite de clichés. Le bon père de famille, la mère affectueuse, l'homme d'affaires sérieux, tout ça, ce ne sont que des foutaises. Tout le monde joue un rôle dans la vie. L'ennui, c'est qu'ils l'ignorent et que la majorité ne sait pas le tenir. Ça se voit tout de suite. Ce n'est pas ton cas. C'est ce que tu dis. Je ne me sentais pas aussi à l'aise que ça. Tu l'as bien caché. Je suis sûr que personne ne s'en est rendu compte. C'est d'ailleurs ce que j'apprécie chez toi. C'est que tu es toujours à l'aise. Dans n'importe quelle situation. Comment tu fais, je ne sais pas. C'est une énigme pour moi. Tu repars ce soir? Oui, j'ai des papiers importants à la maison que je dois étudier. Quoi? À 7 heures? Oui. Je peux te prendre une gorgée? Je t'en prie. L'assurance avec laquelle tu as joué ton rôle à cette réception m'a vraiment stupéfié. Ta prestation me donne à réfléchir. Pourquoi? Tu viens de dire que tu étais satisfait. Je ne pense pas avoir commis d'erreur. Non, est-ce que j'ai dit ça? Robert. C'est entendu. Je le fumerai en sortant. Bonne nuit. Thank you.
Qui est-ce? Répondez. Je vous écoute. Qui est là? Qui est-ce? Qui est là? Ursula. La porte, vite. Ouvre-moi. Un moment. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon Dieu, tu es blessé. Tu saignes. Mais tu n'as pas entendu? Quelqu'un vient nous tuer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Assieds-toi. Qui t'a tiré dessus? Dis-le-moi. Quoi? La police. Allô? Allô? Mam Heinrich Wilderstrasse au 16. On vient de tirer sur quelqu'un. Oui. Oui, venez. Un médecin? Non, je... Oui. Même. Troisième étage. Merci. Robert, ils vont arriver. Ils viennent avec un médecin. Mettre une compresse. Bonsoir. Bonsoir, il y a des traces de sang ici. Bonsoir Stéphane. Oui, Henri. Il est déjà là-haut. Bon, je t'écoute. La victime s'appelle Robert Rennes, 51 ans. C'était le propriétaire de l'appartement. Mais il n'habitait pas ici. Il l'avait acheté pour sa petite amie. Ils avaient passé la soirée ensemble, ils venaient de la quitter. L'assassin devait l'attendre et dès qu'il a mis le pied dehors, il lui a tiré dessus. Combien de fois? Une fois, il n'y a qu'un seul impact. Est-ce qu'il est mort sur le coup? Et non, environ 5 minutes après. Il a réussi à se traîner jusqu'ici. Il a pris l'ascenseur et il est monté. Une vraie force de la nature, vu sa blessure. Ouais. C'est au 3e étage. Très bien, alors allons-y. Stéphane, Harry a demandé qu'on n'utilise pas l'ascenseur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il espère y découvrir, à part la preuve que la victime s'en est servie? Mais si Harry a donné des ordres, on se fera les 3 étages à pied. Allez, allons-y. C'est ici, Stéphane. Est-ce que ça te prend souvent de donner des ordres aussi idiots que ça? Qui est-ce qui habite ici? Mademoiselle Ursula Mom, elle est dans sa chambre. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Elle était la maîtresse de M. Rennes. C'était le patron d'une fabrique d'appareils optiques. Il était plutôt connu dans la région. Oh. Cet appartement lui appartenait. Il l'avait mis à la disposition de sa maîtresse. C'est elle qui t'a dit qu'elle était sa maîtresse? Oui, c'est elle qui me l'a dit. Ils ont passé la soirée ensemble. Une quoi? Réception organisée par M. Rennes. Ils sont rentrés vers minuit, il a bu un whisky et en sortant, il a été descendu. Où se trouve la chambre? Est-ce que je peux faire emmener le cadavre? Oui, vas-y. C'est assez impressionnant. Que veux-tu dire? Je pense à l'expression de son visage. Voici l'inspecteur Derrick. Bonsoir, monsieur. Si vous souhaitez voir Monsieur Rentz, vous pouvez encore. Non. Mademoiselle Mom, je vais vous poser quelques questions. Était-ce dans les habitudes de Monsieur Rentz de venir ici et de vous quitter après un dernier verre? Non. D'habitude, il passait la nuit. Je vois. Avez-vous entendu quelque chose? J'ai bien entendu quelque chose, mais j'étais à 100 lieues d'imaginer que c'était un coup de feu. Sur l'instant, j'ai cru que c'était l'échappement d'une voiture. Je n'ai compris qu'en le voyant. Vous n'avez rien entendu d'autre? Le bruit d'une bagarre ou des voix? Non. Vous croyez que vous auriez pu entendre s'il y avait eu une bagarre? Oui, bien sûr, le quartier est généralement calme la nuit. Mademoiselle Mom, il n'a été tiré qu'un seul coup de feu sur M. Rennes. Son meurtrier devait l'attendre tapis dans l'ombre. Comment? Comment a-t-il pu deviner que M. Rennes ressortirait, contrairement à son habitude? Auriez-vous une petite idée sur l'assassin éventuel et les raisons de son geste? Comment?
Je ne vois personne qui ait pu faire une telle chose. Est-ce que M. Renz vous a parlé d'erreurs éventuelles ou est-ce qu'il semblait, je ne sais pas moi, avoir peur de quelque chose? Non. Je crois qu'il n'a jamais eu peur de sa vie. Et malgré une blessure très sérieuse, il a tout de même réussi à revenir jusque chez vous. Pour entrer, il a utilisé l'interphone. C'est exact. Et il a sonné à plusieurs reprises et il m'a demandé d'ouvrir. Et c'est tout? Oui. Ensuite, il est monté par l'ascenseur, vous l'avez amené dans l'appartement. Que vous a-t-il dit? Il a dit, on vient de me tirer dessus. Et puis? Je lui ai demandé, mais qui t'a tiré dessus? Et alors, que vous a-t-il dit? Rien du tout. Il ne pouvait plus parler. Comment le saurais-je? Il n'a plus dit un seul mot. Et vous a-t-il donné, disons, l'impression de savoir qui avait tiré? Je crois surtout qu'il savait... qu'il savait qu'il allait mourir. Ça le faisait... presque sourire. Oh. Merci. Oui, qui est là? Police criminelle. La police criminelle? Qu'est-ce que vous voulez au beau milieu de la nuit? Ouvrez-nous, s'il vous plaît. À 2 heures du matin? Il faudrait une bonne raison pour que j'ouvre. Écoutez, je vais vous glisser ma carte de police sous la porte. Ouais, faites donc ça. Bonsoir, je m'appelle Clyde, voici l'inspecteur Derrick. Bonsoir, puis-je vous demander qui vous êtes? Je suis la gouvernante. Que voulez-vous, messieurs? Monsieur Rennes habite bien ici. Oui, mais il n'est pas là. Il ne dort jamais ici, ou du moins très rarement. Monsieur Rennes a été tué. Vous avez compris? Et j'ai compris, je ne suis pas idiote. Que s'est-il passé? On lui a tiré dessus. Un meurtre? Pourquoi hochez-vous la tête? Ça me regarde, allez, entrez. C'est gentil. Bon, nous serait-il possible de parler à Madame Renz? Monsieur Renz a été tué. Oui. Un moment, je vous prie. Tu as vu comme elle a réagi? Ça me semble anormal. T'as déjà vu quelque chose de normal dans notre profession? Tiens, Madame Renz a dû passer une bonne soirée à jouer aux cartes et boire du champagne. Si c'est bien elle. Elle a fait une réussite. Que me dit-on? Mon mari a été tué? Oui. On lui a tiré dans la poitrine devant un immeuble de la Heinrich-Wilder-Straße cette nuit. Seigneur, je vous en prie. L'assassin devait attendre votre mari devant cet immeuble. D'après ce que nous savons, le meurtrier a tiré d'une voiture garée en face. Son meurtrier, dites-vous? Oui. Mon Dieu. Il n'y a eu qu'un seul coup de feu. Qu'un seul? Oui. Mon mari est mort sur le coup? Non, il a eu la force de se traîner jusqu'à l'immeuble. De prendre l'ascenseur... jusqu'au 3e étage. Vous savez qui habite dans cet immeuble? Oui, inspecteur. Ursula Mohm. C'est lui qui l'a installé dans cet appartement. Qui vous a dit ça? Mon mari me l'a dit. Il ne s'est jamais caché devant moi. Non, ce n'était pas son genre. Il me l'a présenté il y a quelque temps déjà et je l'ai trouvé sympathique. Vous l'avez sans doute déjà questionné. Oui, oui. Est-ce que l'on peut dire que, de votre côté, vous acceptiez cette liaison? Pas du tout. Dites-vous une chose. Mon mari faisait toujours ce qu'il voulait, avec ou sans mon consentement. Donc vous n'étiez absolument pas d'accord? Non. Bien sûr que non. Une femme sensée aime-t-elle partager son mari avec une autre femme? Votre mari a été vu à une réception avec Mademoiselle Mohm hier soir. Une réception officielle?
Oui, je sais. Et vous n'étiez pas présente? Mon mari m'a demandé de ne pas assister à ces soirées. Je me suis donc abstenue. Vous étiez prête à y aller quand il vous l'a demandé? Oui, j'inaugurais une nouvelle robe pour cette soirée. Alors que j'étais prête, tirée à quatre épingles, parée de mes bijoux, on m'a fait savoir qu'on n'avait plus besoin de moi. Et c'est ce soir que cela s'est passé? Oui, vers 20h. Et vous avez passé la soirée à boire du champagne et jouer aux cartes? J'étais très nerveuse. En colère serait plus juste. Quoi de plus naturel? Oui, j'ai bu du champagne, ensuite je suis allée me coucher. Madame Renz, qui a pu abattre votre mari? Il avait tellement d'ennemis que les compter devenaient difficiles. Mais ça ne le gênait pas. Il se forgeait des ennemis. À croire que plus il en avait, mieux il se portait. Il disait toujours, un homme qui n'a pas d'ennemis ne vaut rien du tout. Vous cherchez son meurtrier. J'aime mieux ma situation que la vôtre. Vous risquez de ne jamais le trouver. Madame Renz, votre mari est mort. Je suis désolé de vous le dire, mais vous n'avez pas l'air très affecté. Vous avez raison. Je ne le suis pas du tout. Sa mort ne me fait rien. Je suis touchée, étonnée. Peut-être un peu surprise. Seulement triste, certainement pas. Non. Voyez-vous, je ne peux admettre qu'un homme prenne sa femme comme souffre-douleur, qu'il la torture moralement. S'il vient à disparaître, il ne faut pas être trop surpris de cette réaction. Sa mort ne me touche pas. Bien au contraire, je revis. Oui, je me sens revivre. Excusez-moi, vous avez des enfants? Oui, un garçon. Mon Dieu, Louisa, il faudrait prévenir Eric du décès de son père. Mon fils habite Nuremberg. Il faut que je téléphone. Quelle heure est-il? 2h30. Il faut que je le prévienne. Vous m'excusez, monsieur? Oui, naturellement. Si tu veux, je peux lui dire. Non, non. Quel âge a votre fils? 23 ans. Il habite Nuremberg. Il dirige notre dépôt de vente. Il ne répond pas. Ça n'est pas normal, il a le téléphone près de son lit. Il a le sommeil lourd. Je ne vais pas le déranger. Il l'apprendra assez tôt. Pouvez-vous me donner le numéro? Le numéro? Oui, son numéro de téléphone à Nuremberg. S'il te plaît, Louisa, tu veux lui noter? Madame Renz, quelle était la qualité des rapports entre votre fils et son père? Eric est un charmant garçon. Une qualité pour laquelle mon mari n'avait que du mépris. Un charmant et gentil garçon. Un enfant très doux. Oui, des qualités nombreuses. Avec la philosophie de mon mari, cela devenait des défauts. Il était dur. Eric, tout le contraire. Louisa? Oui, je n'ai rien à ajouter. Il n'a aucun sens des décisions. C'est un peu pour ça que mon mari l'a envoyé aussi loin. Il disait que là, il serait à son aise, au milieu de la paperasse et des cartons. Et c'est ainsi qu'il a exprimé ses sentiments à votre fils? Oui. Vous n'essayez pas de lui téléphoner? S'il n'a pas répondu, c'est qu'il doit dormir et laissez-le tranquille. Vous avez dit qu'il avait un téléphone sur sa table de nuit. C'est pas une raison pour l'ennuyer. Des fois, il a du mal à entendre la sonnerie. À moins qu'il ne soit pas à Nuremberg. Pourquoi dites-vous ça? Je sais qu'il est à Nuremberg. Il m'a appelé hier après le départ de son père. Quand ça? Dans le courant de la soirée. Est-ce qu'il connaît Mademoiselle Mom? Oui, il la connaît. Mon mari lui a présenté. Oui, Renz, j'écoute. Je l'ai au bout du fil. Qui est à l'appareil?
Qu'est-ce que vous dites, la police criminelle? Oui, nous avons quelques questions à vous poser. Où est votre téléphone, s'il vous plaît? Près de votre lit? Ouais, sur une table à côté du lit. Mais... pourquoi cette question idiote? Nous avons déjà essayé de vous joindre. Où étiez-vous? Où est-ce que j'étais? Ben, je m'étais... Une seconde, pourquoi vous me posez cette question? Et pourquoi la police criminelle? J'ai passé la soirée dehors, je n'étais pas à la maison. Écoutez, je réponds plus à vos questions si vous ne me dites pas exactement ce qu'il y a. Je raccroche, c'est vu? Attendez, calmez-vous. Il faut que je vous dise quelque chose. Votre père... votre père est mort, il a été tué. Qu'est-ce que vous dites? J'ai mal entendu. Mon père, vous en êtes sûr? Comment? Dites à ma mère que j'arrive. Allô? Il a raccroché. Comment est-il? Très énervé. Il a dit qu'il va venir tout de suite. Je n'ai pas eu le temps de l'en dissuader. Qu'est-ce que je viens d'apprendre? Père est mort? Ta mère t'attend. La police m'a téléphoné. Mon père a été tué? Oui. Devant l'immeuble de la Heinrich-Wedderstrasse. Oui, mais qui a fait ça? On ne le sait pas encore. On dit que son meurtrier l'attendait dehors. Père est mort sur le coup? Non, pas sur le coup. La police a dit qu'il était blessé. Il a eu la force de rentrer dans l'immeuble. Il a pris l'ascenseur. Et il est mort dans leur salon. Eric. Viens. Assieds-toi près de moi. Est-ce que tu veux du café? Je préfère un peu de schnapps et une cigarette. Voilà. Tu sais que j'ai horreur des cigares. Surtout les siens. S'il n'y a pas de cigarette, laisse tomber. Écoute, Eric. J'ai essayé de te téléphoner aux environs de 3 heures cette nuit. Je n'ai eu aucune réponse. Où étais-tu? Tu vois, Je t'ai téléphoné après son départ. Et tu m'as dit qu'il avait refusé de t'emmener à la réception. C'est exact. J'étais tellement indigné que j'ai pris la décision de venir immédiatement à Munich. Tu es venu à Munich cette nuit? Oui. Seulement une fois ici, je me suis dit que tu devais être couché et que c'était bête de te réveiller. Alors je suis reparti à Nuremberg. As-tu dit à la police que tu étais venu à Munich? À la police? Oui, que leur as-tu dit au téléphone? Rien, seulement que je n'étais pas chez moi. Je n'ai donné aucune précision. Donc tu n'as rien dit à propos de ton voyage ici? Non. Ne démords pas de cette version, tu n'es pas venu à Munich. Au pire, tu n'as pas entendu le téléphone. Ça, c'est une erreur. Pourquoi? S'il n'a pas entendu le téléphone, ça contredit ce qu'il a raconté cette nuit dans la mesure où il a déjà dit qu'il était sorti. Ils l'ont pris dans son sommeil, le pauvre garçon. Il ignorait ce qu'on lui voulait, il était perdu. C'est tout à fait compréhensible. Au milieu de la nuit... Là, je ne vous suis plus. Le travail de la police est de trouver l'assassin. Et c'est pour ça qu'on t'a demandé où tu étais cette nuit. Et tu penses qu'ils peuvent me prendre pour le meurtrier? Voyons, réfléchis une seconde. Ils vont sûrement apprendre que vous ne vous entendiez pas. Ton père ne s'en est jamais caché, du reste. Bien au contraire.
ce dédain envers tout le monde, est-ce qu'il ne t'a pas rejeté? Est-ce qu'il ne t'a pas rejeté de la maison pour te mettre à un poste sans aucun avenir possible? Tu sais que c'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Je sais. Il ne ratait aucune occasion de me faire comprendre que je n'étais rien. Je n'étais qu'un idiot. Tout ce que je pouvais faire était mal. Je ne comprenais rien et il ne m'a jamais fait que des reproches. À m'entendre dire ça, qui croirait que je n'ai pas tué mon père? D'autres que toi avaient un motif. Seulement, tu étais à Munich à l'heure du crime. Oui, et c'est exact. Je n'avais pas le choix. Je devais agir. Ça ne pouvait plus durer. Alors j'ai pris la... J'ai pris la voiture et je suis venu. Je ne supportais plus que... qu'ils nous traitent avec autant de mépris. Il fallait faire quelque chose. Alors j'ai décidé d'arrêter tout ça. Comment un homme peut-il traiter sa femme de cette façon? Je voulais lui donner une bonne leçon. Je voulais qu'il comprenne qu'on ne traite pas les gens comme ça. La police peut penser que je l'ai tué. Oui, bien sûr, ils penseront que c'est toi. Mais c'est faux. Non, comment aurais-je pu tirer sur mon père? Je sais. Je sais que ce n'est pas toi. Ouais, mais tu l'as dit toi-même, la police, elle, peut le penser. Ce ne sont pas les motifs qui manquent. Je n'ai aucun alibi et s'ils savent que j'étais à Munich, je suis tué. Surtout, il ne faut pas que tu leur dises. Ouais. Tu sais, de toute manière, ils le sauront. Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Eric, tu vas rester ici. Va te reposer dans ta chambre. Tu en as bien besoin. C'est entendu. Je vous demanderai de ne pas me déranger. Bien sûr, mais pourquoi? Il est mort. Est-ce que tu t'en rends compte? Non, Louisa, laisse-le. Il est venu à Munich. Il ne faut pas que la police l'apprenne. Je pense qu'il devrait dire toute la vérité. Tu l'as éduqué dans ce sens, dire toujours la vérité. Je ne suis pas d'accord. La police veut un coupable. Elle prendra le premier qui se présentera. Tu vas? Tu repars déjà? Non, 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 mais je pense qu'il faut se montrer à l'usine. Où est garée sa voiture? Elle est partie à la fourrière? Non, elle est dans le garage. La police nous l'a ramenée. Mais si jamais ils viennent ici, ils vont vouloir te parler. Eh bien, je suis là. Qu'ils viennent au bureau. Tu es à la clé du garage? Il est ouvert. Je suis à l'usine. Il est tout à fait logique qu'un des membres de notre famille s'y montre. Pourquoi toi, voyons? Parce que... Où est la clé de contact? Sur la voiture. J'en ai pas pour longtemps. Dis-le à la police.
Nous sommes dans le bureau de Monsieur Renz. Vous le connaissiez depuis longtemps? Ah oui. Ça faisait de nombreuses années que je collaborais avec Monsieur Renz. Vous le connaissiez bien. Vous savez, tout est relatif, mais... Je vous en prie. Merci. Désirez-vous que l'on vous serve? Non, c'est très gentil. On dit que M. Renz avait une forte personnalité. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était quelqu'un de plutôt dynamique. C'était un homme qui savait imposer sa volonté. C'était un patron. Mais il n'avait pas beaucoup d'amis, d'après ce qui se dit. Exact, il n'en avait aucun. En tout cas, à ma connaissance. Si je vous demandais de nous décrire son caractère, que pourriez-vous nous dire? Décrire son caractère? Disons, il prenait l'avis des autres sans en tenir compte, et cela sans aucun égard. Il n'était pas à cheval sur les bonnes manières ni la politesse. Il considérait cela un peu comme une forme d'hypocrisie. Vous connaissez Mademoiselle Mom? Évidemment. Comment cela? C'est une de nos employées. Ah, elle travaille ici. Et depuis quand? Ça fait un an environ. C'est M. Renz qui me l'a présenté en me disant qu'elle n'avait aucune connaissance et que je lui trouve un poste. Et d'après vous, elle vous a demandé cela comme un service personnel? Oui, et d'abord, il n'essayait pas de cacher leur relation. Mais quelle est votre opinion sur Mademoiselle Mom? Je la trouve très gentille. Elle est charmante. Et très sympathique. Tout le monde ici la trouve sympathique. En ce qui concerne M. Renz, est-ce qu'elle l'aimait? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas si elle l'aimait ou si elle l'avait aimé. Un jour, M. Renz m'a dit quelque chose. « Cette femme, je l'ai achetée. Ne trouvez-vous pas merveilleux de pouvoir se payer une chose pareille ?» C'est plutôt sarcastique. Non, je ne vois pas cela du tout sous cet angle. Non, non. C'était son style, sans gêne, sans égard. Oui. Vous connaissez aussi son fils. Si vous deviez décrire ce jeune homme, que diriez-vous? Oh, c'est très simple. C'est tout le contraire de son père. Il n'a aucune volonté. Il ne sait jamais ce qu'il veut. Je dirais qu'il a un manque de poigne, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il a toujours l'air d'avoir des problèmes de souffle, de respiration. Quand on le regarde, on a l'impression qu'il n'arrive pas à respirer. Un jour, son père m'a dit « Pourquoi ce gosse cherche-t-il son oxygène? Il n'a qu'à respirer !» Avec lui, M. Renz n'employait pas de gants. Et son fils ne disait rien? Non, ça m'a toujours étonné qu'il encaisse tout ça sans réagir. Je pense qu'il devait y avoir des disputes. Non, M. Renz ne se querellait jamais avec son fils. Il lui disait ce qu'il pensait. Mais toujours sans égard. Oui. Bonjour, monsieur Schroeder. Bonjour, monsieur Renz. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Mes condoléances, monsieur. Merci. Nous avons la visite de la police. Attendez, je vous ouvre. Tout le personnel est au courant. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe ici. Ah, c'est amusant. De M. Renz émanait un sentiment étrange, un sentiment d'invulnérabilité. On aurait tous cru mortel. On ne pensait pas qu'il pouvait lui arriver quelque chose. Mais en tout cas, pas cela. Vous voyez la réaction. Et Mademoiselle Mom est ici? Oui. C'est étonnant dans la mesure où tout le monde sait où ça s'est passé et nous l'avons vu arriver ce matin. Et pile à l'heure, en plus. Elle a un bureau à sa disposition. En ce moment, elle est à la cafétéria. C'est moi qui lui ai conseillé d'y aller. Elle ne se sentait pas bien. Elle est par ici, monsieur. Bonjour, madame Richter. Bonjour, monsieur Renz. Mes condoléances pour la mort de votre père. C'est gentil. Une seconde. Vous me présentez vos condoléances? Avez-vous une raison? Vous ne croyez tout de même pas que cet incident me touche? Ce n'est pas le cas, madame. Pas du tout. Que signifie ce regard? J'ai peut-être dit quelque chose d'incongru. Bon, où est monsieur Malheur? Avec ces messieurs de la police. Il leur fait visiter les bureaux. Ah, ouais. Dites-moi, de quoi ils ont l'air? Dites-moi, quelle est votre impression? Je ne comprends pas votre question. Si on me demande, je suis dans mon bureau. Dans ce bureau. La porte, je vous prie. Je n'aurais pas dû venir ici. Je ne savais pas quoi faire, au juste. Je ne suis jamais qu'une employée de l'usine. Et ne pas venir aurait été commettre une faute. Je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. Je ne vous retiendrai pas trop longtemps, mademoiselle. J'ai vu que la relation entre le père et le fils n'était pas ce qu'on peut dire excellente. Est-ce que vous le confirmez? C'est
pour votre enquête que vous me posez cette question. Ah oui, bien sûr. Pourquoi cette question? Écoutez, je vous l'ai posée, maintenant répondez-y, d'accord? Oui, mais ce n'est pas lui qui l'a tué. Vous n'êtes pas sérieux, voyons. Eric tiré sur son père. C'est une éventualité. Comment? Vous avez des preuves? Répondez plutôt à notre question. On ne peut pas parler de relations entre... C'était à ce stade? Oui. C'était l'horreur. Monsieur Renz demandait trop à ce pauvre garçon. Je dois retourner au bureau. Venez avec moi, si vous voulez. Entendu. Je peux savoir ce que vous faites là? Je lis des documents. Ça ne se voit pas? Y aurait-il des secrets d'État? Mais non, non, il n'y a pas de secrets. Monsieur Malheur, je vous prierai de changer de ton. Bon, écoutez, je suis désolé. Oui, c'est très facile d'être désolé. Je m'attendais à des excuses. Bon, écoutez-moi, nous sommes tous perturbés depuis cet assassinat. Moi, non. Si, vous aussi. Cela se voit. Que voyez-vous, Malheur? Vous ne voyez rien du tout. Où sont les policiers? Non, ça m'étonnerait que ce soit Eric, l'assassin. C'est dit, depuis des années, il accepte tout sans rien dire. Attendez, il n'a aucun alibi? Oui, entrez. Bonjour. Ah, c'est vous les policiers? Oui. Je m'appelle Renz. Inspecteur Derek et Klein de la police criminelle. Enchanté. C'est à l'un de vous que j'ai eu l'honneur de parler au téléphone cette nuit. Bonjour, mademoiselle Mom. Monsieur Renz. J'ai appris ce qui s'était passé, ça a dû être terrible. C'est chez vous qu'il est mort. Oui. Je comprends ce que vous avez pu ressentir. Si vous désirez prendre quelques congés... Pourrions-nous avoir un entretien en particulier, monsieur Renz? Oui, entendu. Par ici. Au revoir, pour ça. Aux environs de 2h30, cette nuit, nous avons essayé de vous téléphoner, mais nous n'avons obtenu aucune réponse. Ensuite, il était environ 3h quand nous avons à nouveau essayé, et là, vous avez répondu. Vous nous avez dit que vous étiez sorti, c'est bien exact? Oui, c'est exact. C'est vrai, j'étais sorti. Très bien, alors où étiez-vous? Dites-nous l'endroit, l'heure et le nom des personnes qui vous ont vu. Pourquoi riez-vous? Je vois ce que vous voulez. Vous vous demandez si je n'étais pas ici, c'est oui, exact. Oui, étiez-vous à Munich? Écoutez, croyez-vous que j'ai pu tirer sur mon père et le tuer de sang-froid? C'est ce que vous croyez, je suis pas idiot. Ça vous intéresserait que je vous dise que je l'ai tué? Non. Répondez à la question. Et si on parlait dans le calme? Voilà quelle était la situation. Il y avait une réception pour le jubilé de la société. Mon père ne tenait pas à ma présence. Je voulais savoir pourquoi il ne m'avait pas invité. Hier soir de chez moi, je lui ai passé un coup de fil. C'est ma mère qui m'a répondu. Elle a dit... Ton père est déjà parti. Il n'a pas voulu m'emmener. Mais vous vous rendez compte? Il ne l'a pas emmené. Elle devait y aller. Elle s'est retrouvée dans l'escalier avec sa robe de soirée. Et il lui a dit, non, je sors tout seul. Je n'ai pas besoin de toi ce soir. Voilà ce que ma mère m'a appris au téléphone. J'étais dans tous mes étages. Je n'arrêtais pas de penser à ça. Alors j'ai pris une décision. Celle de bondir dans votre voiture et de venir à Munich, bien sûr. Ouais. Vu la situation, je pensais à ma mère et je me devais de venir. Il était quelle heure quand vous avez pris la décision de prendre la route? Je ne sais pas, 10h30 environ. Vous avez roulé vite? Vite, oui. J'étais furieux que mon père ait eu cette attitude envers ma mère. Et c'est vers minuit que vous êtes arrivé à Munich? Oui. Je voulais me rendre chez nous et puis j'ai été pris de scrupules. Il était plus de minuit et elle était peut-être couchée. J'ai repris la route de Nuremberg et je suis rentré. Vous ne vous êtes pas rendu dans la Heinrichwilde-Strasse? Ah, il fallait que je m'attende à cette question. Elle vous brûlait les lèvres? Y êtes-vous allé, oui ou non? Vous souhaitez que je vous dise oui? Vous vous attendez à ce que je vous dise oui? Non, je n'y suis pas allé. Comment ça, il l'interroge? Oui, mais pour quelle raison? Depuis longtemps? Merci. La police est déjà sur place. Il lui pose des questions.
J'espère qu'il ne dira pas qu'il était à Munich. J'irai là-bas à ta place. Oui, tu as raison. C'est ce que j'ai de mieux à faire. Vous avez l'air surpris. Vous ne vous attendiez pas à cela. Mais faites pas cette tête-là. La police vient de me mettre en état d'arrestation. Il n'en est pas encore question. Monsieur Renz nous accompagne pour un interrogatoire complémentaire. Complémentaire. Et si je refuse de vous accompagner? Alors, je vous écoute. Ça n'arrangerait pas du tout votre cas. Alors, allons-y. En route. Qu'est-ce que vous faites? Où emmenez-vous mon fils? Votre fils était à Munich à l'heure du crime. Venez. Tu leur as dit? Puisque je l'étais, autant le leur dire, n'est-ce pas? Il m'emmène au bureau de la police criminelle. Mais pourquoi, inspecteur? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Mais voyons, maman, tu es naïve ou quoi? Ils me prennent pour l'assassin. Mais c'est insensé. Mais tout est insensé. Ils m'ont posé des questions et trouvé des indices qui font de moi un suspect qu'on embarque devant tout le personnel. Est-ce que je peux venir? Non, madame, pas question. Louisa. Louisa. Ils viennent de l'emmener. Ils le prennent pour l'assassin. Ils soupçonnent que c'est lui le meurtrier. Ce n'est pas lui. Ils vont le libérer. Ils vont être obligés de le relâcher. Tu veux déjeuner? Il faut que je contacte un avocat. Je dois savoir quels sont mes droits. Savoir quels sont les siens aussi. Ne pas faire d'erreur, sinon il est perdu. Non. Comment dire que je haïssais mon père alors que ce n'est pas vrai? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un père, c'est quelque chose. Je l'aimais. C'est difficile à dire ces choses-là. Avec lui, j'avais des relations plutôt... Ça n'avait pas de rapport avec les relations d'un père avec son fils. Il n'y avait aucune tendresse. Il ignorait la tendresse. J'avais l'impression de n'être rien du tout, de n'être qu'un objet qu'il utilisait. Vous n'avez jamais essayé de lui résister? Hein? De lui résister? N'allez pas nous dire que vous avez tout accepté comme ça, sans réagir. À un moment donné, vous avez bien eu l'idée de répliquer, de vous défendre. Ben oui, c'est évident. Et j'ai pensé à beaucoup de choses, un tas de choses. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que j'ai enduré. Inspecteur, je vais tout vous raconter. Un jour, mon père a décidé de m'envoyer à Nuremberg. Il avait dit que c'était une promotion. Chef de secteur, tu parles. Je signe les bons de chargement, contrôle les transporteurs et les mouchards installés sur nos véhicules. C'est un travail sans aucun intérêt. Hier soir, avait lieu la réception et mon père ne m'a pas invité. J'attendais un coup de fil, j'attendais qu'il m'appelle pour me dire que je pouvais venir. Et ce coup de fil n'est pas venu. J'avais tant espéré. Là, j'ai téléphoné pour le féliciter. J'aurais une chance d'être invité, mais il était déjà parti. Et là, j'ai appris qu'il n'avait pas emmené ma mère, qu'elle n'était pas invitée non plus. Il l'avait laissée toute seule. Inutile de vous dire à quel point elle a été humiliée. J'ai dit, j'en ai assez, il faut que ça s'arrête. On ne peut plus continuer comme ça. Si jamais on continue à accepter, on est tous foutus. J'ai réfléchi pendant des heures, en faisant les 100 pas. Et puis tout d'un coup, je me suis précipité dans ma voiture et j'ai foncé vers Munich. À quelques kilomètres de Munich, je me suis arrêté sur le bord de la route. Et j'ai songé que...
que la réception était terminée. Je savais qu'il ne dormait plus souvent chez nous, mais chez cette fille. Je sais où est la Heinrich Wildestrasse. Il me demandait de l'y conduire au début. Et je connais la maison. Vous n'écrivez pas ce que je vous dis? Non, non, on enregistre sur un magnéto. Ah bon? Ça vous dérange? Non, pas du tout. C'est sans importance, au contraire. Où j'en étais? Vous disiez que vous connaissiez cette maison. Ah oui. J'y suis allé et je me suis garé juste en face de la porte d'entrée. J'ai vu de la lumière chez elle. Je suis resté là en pensant à ce que j'allais lui dire. Je voulais lui faire une scène dont il se serait rappelé. Je réfléchissais à ce que j'allais pouvoir dire. J'ai vu de la lumière dans l'entrée. C'était mon père. Je suis resté prostré et j'ai oublié tout le reste. J'ai sorti le pistolet et j'ai tiré, tiré, tiré! Combien de coups de feu avez-vous réellement tiré? Un seul coup. Un seul. Où aviez-vous eu ce pistolet? Je me l'étais acheté. Et ça faisait longtemps que je voulais un pistolet. Et maintenant, où est-il? Je l'ai balancé dans l'Isard. Allez-y, continuez. Mon père est tombé de tout son long. Et il m'a regardé comme s'il voulait dire. Toi? Encore un peu et je lui répondais. Oui, oui, c'est moi, papa. Je peux avoir quelque chose à boire. Oui. Je vous fais apporter un cognac. Tu peux me taper cette déposition, je dois la faire signer. Tu me l'apportes au bureau? Oui, c'est entendu. Tu lui apporteras un cognac. Nous l'avons, notre assassin. J'en sais rien, c'était trop facile. Ce n'est pas hier qu'il a tué son père. Non, je ne suis pas convaincu. Donne-moi un tiens. Tiens pourtant debout son histoire. Qu'est-ce qui te rend sceptique? J'en sais rien. Qu'il ait tué son père, c'est encore possible. Mais il y a 2 minutes. Louisa! Louisa, ce doit être Eric. J'y vais, j'y vais! Bonsoir. Bonsoir, madame Renz. Où est mon fils? Est-ce que je pourrais vous parler? Entrez. Nous avons le meurtrier. Que dois-je comprendre? Votre fils a fait des aveux complets. Quoi? Eric? Mon fils serait l'assassin de son père? C'est impensable. Ce que vous dites est insensé. Je ne peux pas vous croire. Comment a-t-il pu avouer? Et pourtant, il l'a fait, et en donnant des détails sur le meurtre. Non, mais c'est incroyable. Vous dites des idioties. Il ne peut pas avouer un meurtre qu'il n'a pas commis. Ah oui. J'y suis allé. Je me suis garé juste en face de la porte d'entrée. J'ai vu de la lumière chez elle. Je suis resté là, en pensant à ce que j'allais lui dire. Je voulais lui faire une scène dont il se serait rappelé. Je réfléchissais à ce que j'allais pouvoir lui dire. J'ai vu la lumière dans l'entrée. C'était mon père. Je suis resté prostré. Et j'ai oublié tout le reste. J'ai sorti le pistolet et j'ai tiré, tiré, tiré! Quoi? Mais il n'y a eu qu'un seul coup de feu. Combien de coups de feu avez-vous réellement tiré? Un seul coup? Un seul? Je sais qu'il n'a pas de pistolet. Où avez-vous eu ce pistolet? Je me l'étais acheté. Ça faisait longtemps que je voulais un pistolet. Maintenant, où est-il? Je l'ai balancé dans l'Isard. Allez-y, continuez. Mon père est tombé de tout son long. Il m'a regardé comme s'il voulait dire « Toi ?» Encore un peu et je lui répondais « Oui, oui, c'est moi, papa !» Est-ce que vous ne croyez pas ce qu'il dit?
Vous ne pouvez pas croire ce qu'il dit là. Le procureur sera averti dès demain matin, il fera établir un mandat d'écrou. Non, croyez-moi, je... Ce ne sont que des inventions, il n'y a pas un mot de vrai. Vous en êtes certaine? Pas un mot de vrai. Ce sont des inventions. Nous avons tapé le procès verbal, nous lui avons relu mot à mot, et il l'a signé. Il a signé n'importe quoi. Il est fou, ce garçon. N'est-ce pas, Louisa? Oui. Nous le sommes tous un peu. Disons qu'Eric a bien décrit la situation. Avant qu'il ne tombe à terre. Oui, il m'a regardé comme s'il voulait dire. Toi. Oui, c'est ça. J'ai bien failli lui répondre. Oui. C'est moi. Chérie.